Donc, Akolia Mbouma. Akolia Mbouma. Akolia Mbouma. Mbouma. Tala. To volé ba face. Na jargon militaire. To yebi. Kolia Mbouma. Ezali ko beta bal. Mouta koufa. S'il n'y a pas coalition, il n'y a pas cohabitation. Donc le président va démissionner. Et j'ai dit, ok, si le président démissionnait, il deviendra le 110e sénateur avec beaucoup d'honneur. Et l'histoire va noter que le président a démissionné. Il me dit, ça il faut oublier, ça il faut totalement oublier, ça n'arrivera jamais. Alors j'ai dit, qu'est-ce qui reste encore? Donc, Akolia Mbouma, je n'ai pas dit qu'il y a Akolia Mbouma. J'ai dit, est-ce qu'il y a Akolia Mbouma? Akolia Mbouma, c'est une expression d'une hypothèse qui démontre l'inconnu dans l'équation. Quelqu'un qui défie le chef de l'État en disant que Yaya Kinamindou qui a causé un amidou, c'est-à-dire si nous pouvons interpréter cette pensée à Elongolo Banini, que Yendenga Zawana Moutako intimidé Azate. Akolia Mbouma, il disait que c'est avec beaucoup de dignité. Que même on a pour ça, on la faute, il y a pas qui est salamati. Et voilà, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Little Autosalaka décryptage. Il y a l'actualité de Salamino. Autosalaka décryptage, il y a l'actualité ayant trait dans la République démocratique du Congo, c'est-à-dire l'actualité sociopolitique. Oyo wapi to pesa kabino mai makoleka na mboka ya République démocratique du Congo. Mais il y a banda na pesibino mbote mingi ba yebo pesa kabiso confiance na chaîne Oyo bolanda ka émission na bino oyo bomesana ko zoba information. Merci na président na boss Cisco Kayembe Kayembe ba Cisco na baka entre lui et l'argent, il y a pas de trait d'union boss Cisco. Également merci na de Kolangai na Kobenga na Kombo ya Basterno Cordon dans Pambola yo. Abonnez-vous massivement, vous abonnez toujours na chaîne Nabino AF1 non télévision des amis, vous aurez toujours au chevet d'actualité. Mesdames et messieurs, merci. Loko l'actualité zali F1 na kotika la simate ape Sabino toujours makanisi na biso ni toko penser. Alors émission le lot ozam na to sam na décryptage moko ya commentaire hein na maima koleka na affaire Barnabé o Milinga Nyo. Barnabé Milinga Nyo azali président national ya ligue de ya pardon ya rassemblement des leaders congolais où ils allaient, je crois, une association, je ne sais pas, mais ils ont se retrouvé dans la carte, il y a FCC au Bazali, pour soutenir le président honoraire Joseph Kabila Kabangé. Alors, lors d'une émission, et où tu as eu le cas, il y a un plateau différent, Bayamba qui est na bapandi sango oyo ba tune qui est par rapport ya makambo oyo koleka ya consultation ou concertation, parce que le président de la République a salaki consultation suite ya ba abus et belé na ba partenaire na ye ya FCC ba boikotaki boyebi à titre de rappel mais pour na ya kosala prestation ya trois juges constitutionnels oyo ba FCC ba boyaki ko participer également. Na ba nomination il en a qui par là-bas qui que le président a violé constitution, a violé ba corps au basala qui dit na bango yo te ba se soye zaka deal oyo et subi tout en otage. Deal il y a deux personnes au basali pour na ba intérêt na bango. Alors et comment qu'on handicaper toute une nation au l'autre se retrouver. Alors le quoi ba boyaka le président Félix a initié qui depuis le 23 octobre passé a initié qui la consultation de façon que a débouché dans ce qu'on appelle union sacrée. Mais faire la consultation là ici, le président Akendaki, a le but toujours c'est la conclusion compte rendu à consultation après ça na bandeko na ba population nini a compensé.
Alors, Bayambin de Kobarnabe, on a vu séminaire Liboso, Bayambin de Tandoïken, on a confrère Moussou, on a tout nié Moutouna. Parce que na dernière minute, on a consulté qui est en UDPS. On a vu que Jean-Marc Kaboun, c'est le bas proposé pour mon papa qui, après Oyo, il n'y aura ni cohabitation, ni coalition. C'est-à-dire, pour la IDPS, on va dire famille politique, il y a président Félix, il n'y a ni cohabitation et ni coalition. Alors, Namutuna wana batuni mwana mboka Barnabé, on va dire ce qui vous sien, je crois. Batuni, le lenge balobi, il y aura ni cohabitation, ni coalition, il y a qu'à réponse naïe. À répondre à l'obi que dans ce cas le président doit démissionner pour éviter de faire tuer les gens. N'a interprété l'obi bruit. Le kola bango balobi, ils a ni cohabitation ni coalition. Ça dit tout le monde qui a Jean-Marc Kaboun. Dengue après qu'on bimana concertation. Consultation à Kendaki, les babimi ma pèse qui ma kasabaro, obango ba proposé président de la République na souka ya consultation oyo. Balabi papa, bisoto lingi, et ni cohabitation, ni coalition, c'est-à-dire, libala oyo, et koufa, libala FCC cache, quel que soit le signe du accord. Oh boué boué, et koufa, peuple congolais longtemps courbé, n'a plus besoin de ce genre de choses, il faut congolais à comme peine à respirer qui toko. Nango réponse ya Barnabé à le Bible, le président de la République, ce qui ni cohabitation ni coalition, il faut à démissionner pour éviter tuerie. Ce qui a s'entêté, il sera tué. Voilà. Ozaba parole ya Barnabé Milinganyo, ozali président national ya renseignement des leaders congolais. Alors ce qui président de la République aboyi ko démissionner donc akolia non d'abord il sera tué donc akolia mbuma ayeko wana ningala akolia mbuma to voilà ba face na jargon militaire to yebi ko liambuma ezali ko beta bal mutakufa ça c'est bien connu la jargon militaire ezali na ko beta mbuma et ayeko ba bon matin nakobeta mbuma c'est-à-dire nakobeta masasi akolia mbuma alia mbuma beta masasi c'est un peu ça nayango lera lekile ba mission il a parlé à akolia ce qui président de la république a boyi ko démissionner pour n'aider akolia mbuma et puis plus tard ba yo yamba ye ba tunier que bino boko nager à répondre dans l'émission concert moko boye à répondre nini a lobi que Ye Azali Kadogo. Azali Kadogo, ayakolonga kisasa na masasi. Ayaka na masasi. Akolonga kisasa na masasi. Donc, on m'en est quelque part. C'est comme si tout ça, ce qu'on appelle la crise d'autorité, y'a chef de l'État. C'est-à-dire, quelqu'un qui passe à la télé, qui parle de n'importe qui, défie le président de la République en disant que le président sera sali erreur à Koliambouma. Et puis, il y a Moutako Benganaye, Naki, Naroki, Mazate, Azam Moutakongo Central, le terre. Azam Moutou, il y a bande de terre pour que Namoutou a nagé, mais Azam Moutou, il y a qui vous bouka vous. Donc, il y a un aéroport international, il y a Njili. Donc, à partir de Njili, il y a Kende. Cela veut dire que Moutako Sala est le co Azate. Ayaka na Minduki. Voilà les ennemis de la République, voilà les gens qui aiment que Mobule Bimanambo Kamasasi Beta Bango Basepela. Quelqu'un qui défie le chef de l'État en disant que Yaya ki na Minduki, Akozonga na Minduki. C'est-à-dire, si nous pouvons interpréter cette pensée, Akozonga na Minduki, Yendenga Zawana, Motako intimide Azate, Ozana, président de la République, il s'en fout. Aux annonces qui n'ont, ils s'en foutent. Yazaye, yé à quoi que la kaka autorité morale. Oyo ya yé, c'est-à-dire royaume de Kingakati. Quand on dit président Robanga, oh, c'est-à-dire président Félix, il s'en fout. Donc, yé mon tarobengane exalté.
ye ce que ça a besoin au Kenya mon aéroport en Djili Azu aéroport bu avion à Zongi Bukavu et puis pour aken à sa facilité il faut mindu qui c'est dire il faut mindu qu'il faut ma ça c'est bête na Kinshasa il faut mon boulou et zala de yake na ngomoni le secrétaire général ya UDPS AI hein Kabuya ba lobby qui non il y a des gens qui veulent tuer le président de la République, a lancé déjà alarme que il y a des gens qui veulent tuer le président de la République. Après avoir suivi cette émission, le service il y a renseignement malala que émission ba quitter le quai na tongo ba juillet pa ko samba akei ko samba mais analingi avant to betali solo ce soir là to landa element oyo il y a procès n'est pas joué à qui ressemble à niveau ya l'état bon l'an dernier après tout coutani la si maman mou qui est extra bon l'an d'un groupe donc on sera commenté non après tout l'an Selon vous, dans les jargons quinois, lorsqu'on dit Akolia Mbouma, Bakobetae Mbouma, dans les jargons quinois, qu'est-ce que cela signifie? Même signification que Okoyunga Noua. Les tribunaux jusque-là ne comprennent pas très bien. Okoyunga Noua, ça signifie quoi? C'est ça que nous avons fait ça. C'est ça Okoyunga Noua. C'est une émission d'analyse des questions politiques, de l'heure ou d'actualité. Et au cours de l'émission, nous étions en train d'analyser la fin des consultations du chef de l'État. Et la question a été posée concernant les déclarations de M. Kabund, directeur président ad intérim de l'UDPS. Moi, je me suis porté à faux contre les déclarations de M. Kabund. J'ai dit ceci. M. Kabund n'a pas le droit de vider les contenus du message du chef de l'État, même s'il est président de l'UDPS. Il ne peut pas quitter l'audience de consultation du chef de l'État et venir dire au public il n'y aura ni coalition, il n'y aura ni cohabitation. Lui, il est qui pour dire aux Congolais la décision que le président va prendre? Donc il veut imposer au président quel type de voix encore. Et c'est comme ça que le journaliste me dit, alors il y aura, moi j'ai dit donc, le président va démissionner, il ne reste que probablement très peu d'hypothèses. S'il n'y a pas coalition, il n'y a pas cohabitation, donc le président va démissionner. Et j'ai dit, ok, si le président démissionne, il deviendra le 110e sénateur avec beaucoup d'honneur. Et l'histoire va noter que le président a démissionné. Il me dit, ça il faut oublier, ça il faut totalement oublier, ça n'arrivera jamais. Alors j'ai dit, qu'est-ce qui reste encore? Dans Akolia Mbouma, je n'ai pas dit qu'il y a Kouzoua Mbouma. J'ai dit, est-ce qu'il y a Akolia Mbouma? Akolia Mbouma, c'est une expression d'une hypothèse qui démontre l'inconnu dans l'équation. Seulement si vous reconnaissez ces propos. Non, voici ce que j'ai dit. Le jour où le président Félix se présenterait devant la justice, il fera ma calme. Parce qu'autour de lui, il y a trop de légèreté qui le pousse à violer la Constitution. Le jour où il sera devant vous, il fera la prison. Nous avons démissionné, président. Parce que c'est l'unique pouvoir le plus facile
Son Excellence, Monsieur le Président de la République, alors que les personnes qui ont fait ces déclarations-là sont bien connues de vous. Votre honneur. Le Président de la République. Votre honneur, ne me poussez pas à remettre en cause votre neutralité quand même. Je ne me suis pas attaqué au Président. J'ai mis une hypothèse. C'est au conditionnel. Si je ne me suis pas attaqué au chef de l'État, je m'excuse beaucoup. Je m'excuse beaucoup. L'affaire est appelée pour le prononcé, dont voici les dispositifs. Par ces motifs, le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties en procédure de flagrance, vu la loi organique numéro 13/11-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Vu l'ordonnance loi 79-001 du 24 février 1978 relatif à la répression des infractions flagrantes, spécialement en son article 9, vu le code de procédure pénale, vu le code pénal livre second à son article 160, vu l'ordonnance loi numéro 317 décembre 1963, portant offense envers les chefs de l'État, le ministère public entendu en ses réquisitions, dit établi en fait comme en droit l'infraction des menaces d'attentat mises à charge du prévenu Wimana Isombia Barnabé. Et par conséquent, la condamne à une peine de servitude principale et une amende à une peine d'une année de servitude pénal principal et une amende de 1 million de francs congolais. Dit établi en fait comme en droit l'infraction d'offense au chef de l'État mise à charge du prévenu Wimana Isombia Barnabé et par conséquent la condamne à 2 ans de servitude pénale principale et une amende de 1 million de francs congolais. Dit que ces infractions ont été commises en concours matériel. Et par conséquent, la condamne à 3 ans de servitude pénale principale et d'une amende de 10 millions de francs congolais, payable dans le délai légal à défaut, subir 300 jours de SPS, ordonne son arrestation immédiate. Reçoit la constitution de la partie civile, le centre de réflexion juridique de la lutte contre l'impunité représenté par son coordonnateur Franck Kalolo et le condamne à 10 000 dollars payables en francs congolais à titre de dommages d'intérêt pour le préjudice subi à la partie civile. Mais le frais de la présente instance à charge du prévenu, calculé tarif plein, payable dans le délai légal, à défaut, subir 30 jours de contrainte par corps. Ainsi jugé prononcé par le tribunal de paix de Kinshasa Ngaliema, siégeant en matière de flagrance, au premier degré son audience du 28 novembre 2020, à laquelle ont siégé les magistrats, Ogi Kazalitu Lumbaye, président de chambre, Manex Mubenga Ibukasa et Francis Tumbinga Patanga, juge. Avec le concours de l'officier du ministère public représenté ici par M. Bachong Assita Serge et l'assistante de M. Kondé Loubeko Isidore, greffier du siège. Tel est le tenor du jugement. Je vais demander à l'autre.
Monsieur le Président, je fais appel. Excusez-moi. Nous sommes encore ici. Alors, vous avez vu que Ameki Kosala Yango, Azok Lobakeno, Yalbaki Mbouma, le fruit, Oyakolia. Non, qu'on ne nous trompe pas. Vous passez à la télé, Ozo Lobake, le président, Soki Aboyiko démissionné, Akolia Mbouma. Mbouma, Anna, Apolibizan, on fruit. Non, non. Na discours nyonso na lobarango na discours ezara na deux dimensions sémantiques, donc deux dimensions sémantiques, il y a la connotation, il y a la dénotation. La dénotation c'était Akolia Mbouma, Mbouma c'est le fruit, mais la connotation, le sens que vous attribuez à ces langages, c'était Mbouma, c'était un jargon militaire dans le bas qui ont tantôt ezali ko betamasasi. Alors vous voulez tuer le président de la République pour na mboka ekende na situation nini? On y bonjour, ça bise 40 ans plus tard, na retard, les sous-sous. Bon, après avoir causé mon boulot, et on casse tout et ça va se faire quoi? C'est ça le grand problème. Donc, Neko Barnabé, l'herbe à Monique, le samedi, le ministère public requiert 3 ans de prison. Na 3 ans, on a une année. Il y a servitude pénale pour menace de mort. Et puis 2 ans, Ezali, pour offense au chef de l'État. Donc 3 ans, on a Ndeko Akosala en prison. Pour dire que l'État, Zarara, l'État, c'est lui quelqu'un qui veut mettre le pays à feu pour que Bisso Oyotosani Nabisso Nabuzuite, Tevite Tokendiapi, Yesoki Bachepe a fait Arokena ambassade, Aroki Makeneboye. Donc, il y a des gens qui n'aiment pas le pays, Alingi Abomakarambo, Kakaraboye, Mouka Ikenango dans difficulté et tout qu'on sort. Donc, ce n'est pas bien. Ah, alors, il y a un lobby. Liberté d'expression est un synonyme, il y a libertinage. Nous sommes dans un pays démocratique, mais la démocratie ne signifie pas le libertinage. La démocratie, on doit respecter le principe. N'insultez pas aux outragés chefs de l'État, aux autres, n'importe quoi, au fin. Non, non. Moi, je crois que, mesdames, messieurs, tout ce que j'avais à dire par rapport à l'affaire Oyo, il y a Barnabé, il y a juste de mettre quelque chose dans la bouche par rapport à l'événement. Il y a un peu de temps, pareil, faut beaucoup attendre parce que, et quand le pays a des difficultés, et que ça a mal à mon mingité, beaucoup d'attention. Et je reprends et j'insiste que dans une démocratie, n'est pas synonyme, il y a libertinage. Tout ça, libertinage, tout ça, la canaba principe, il y a démocratie, et Zali, tout respecte à ça. Vous comprenez? Merci, Nabane Routou, Boulandi Bissot, et il y a juste une petite réflexion par rapport à l'affaire Barnabé, où l'État assis, qui peut s'aider 3 ans, il y a prison, d'inexpliquer, il y a 1 an, il y a servitude pénale pour menace de mort, et puis 2 ans, pour il y a offense, il y a chef de l'État, Nebomoni, voilà, je crois que la série continue, mais que ça ne soit pas, parce que je suis là, je suis là, le règlement des comptes. Non! Et à la règlement des comptes, il faut que le taux des droits est vraiment appliqué dans la lettre Nyango pour que le Congo réellement ait aspiré à un Congo développé, à un Congo
d'état de droit, je crois que vous avez compris. Merci de m'avoir donné vous abonner massivement. Merci à Cisco KMB. Merci à Cordon Master. Merci à Richard qui était derrière la caméra. Merci à tous ceux-là qui sont branchés à ce moment. Mais n'oubliez pas, abonnez-vous massivement, massivement à la chaîne Nabino car vous ne serez pas dessus, je crois. Ceux qui ont été prochainement pour un autre numéro. Ciao.